ce groupe, après avoir traversé le monde du nord au sud et de l'ouest au nest, après avoir parcouru les abysses des océans les plus profonds et gravi les plus hautes cimes des montagnes, Ricardo Bonne Rouge se retrouva comme dépourvu lorsque la brise hivernale fut venue. Pas la moindre trace de poussière. Alors le chef des Bonne Rouge, Aplegus, se gratte à la tête et dit: c'est tout d'abord incroyable. Voilà que l'on cherche depuis des années dans chaque endroit du ciel et de la terre et pas moyen de mettre la patte sur le plus petit grain de poussière. Et que va-t-on dire au père Noël? Les autres membres de la brigade se grattèrent le melon en guise de réponse. C'était la manière de réfléchir chez les melons. Oui, mais il fallait penser vite. Car le temps filait à la vitesse de la lumière et la nuit de Noël approchait à grands pas. Alors que Gus y va, c'était sans pas. Encore? Vive le vent, vive le vent d'hiver. Comme autant de joyaux. Gus poussa alors un soupir d'admiration, tant la nuit ne lui avait jamais paru aussi belle. Félicitations, dit doucement l'esprit de l'aurore. Vous avez réussi à dégager l'horizon. Il est certain que le traîneau du Père Noël ne rencontrera aucune embûche. Merci, répondit avec inquiétude Gus. Mais sans la poussière d'étoiles, le traîneau ne démarrera peut-être même pas. Alors, l'esprit de l'aurore rit d'une voix claire et chaleureuse. Et Gus regarda au-dessus de lui, fixant le ciel des yeux. Dans la voûte étoilée, au milieu des milliers d'étoiles, il vit une étoile plus brillante que les autres et qui semblait rayonner de très très loin dans l'immensité de la Voie lactée. Oh, c'est là que se trouve la poussière d'étoiles, dit l'esprit de l'aurore. Comme si elle avait deviné ses pensées. Hâtez-vous d'aller la récupérer, car le temps vient à manquer. Bonne chance. À ces mots, l'aurore boréale s'évanouit dans les airs, dans un chant mélodieux. Alors, Gus
et la brigade des bonnets rouges s'organisèrent avec empressement pour récupérer la précieuse poussière. Il fut décidé, après quelques discussions et de nombreux grattages de bonnets, de créer une gigantesque chaîne qui relierait le ciel à la terre. Ni une, ni deux, ni même trois, toute la brigade se donna la main dans un cri d'encouragement retentissant. L'immense chaîne qu'ils avaient créée toucha du bout des doigts la lueur de l'étoile et parvint à saisir une fiole contenue de la véritable poussière d'étoile. Un cri de joie parcourut la file de la brigade, signalant le succès de leur escalade. Une fois revenus à terre, Luce et les autres examinèrent l'objet trouvé sur tous ses ailes. Peut-être faut-il la secouer ? Se dit l'un des membres. Ou alors la remercier ? Se demanda un autre. En réalité, personne dans la brigade n'avait jamais vraiment manipulé de poussière d'étoile. Tous ces efforts pour trouver la poussière d'étoile et nous ne savons pas comment l'utiliser. Dit Gus, tout en grattant son doigt. Nous ne pouvons pas échouer si près du but. Soudain, le grelot membre de la brigade se mit. Tous se retournèrent vers lui, se demandant la raison de ce tintamarre. Je crois que nous avons un message, dit Gus, et il avait raison. Regardons ce qu'il a à nous dire. Apparemment, les lutins ont reçu un message. Vous êtes désormais les heureux propriétaires d'un flacon de poussière d'étoile.
quelques précautions d'usage si nécessaire afin de s'en servir. Conseil numéro 1. Veillez à bien vous laver les mains avant utilisation. Une hygiène irréprochable est indispensable pour une belle manipulation. Conseil numéro 2. Bien reboucher le flacon après utilisation. En effet, si la poussière d'étoile s'échappe, elle pourrait occasionner des vents ébouriffants et des tempêtes de neige tourbillonnantes. Conseil numéro 3. Respectez le dosage. Quelques grains de poussière bien utilisés suffiront à ouvrir le passage secret du pôle Nord. Attention à ne pas gâcher ce précieux flacon. Mode d'emploi. Pour une efficacité totale de la poussière d'étoile, levez le bras et placez le flacon haut au-dessus de votre tête. Secouez légèrement le flacon pour réveiller la poussière, puis tapez fort dans les mains pour l'activer. Attention, la poussière d'étoile ne fonctionnera qu'en faisant appel à l'esprit de Noël et en y mettant tout votre cœur. Pour cela, il faudra chanter à l'unisson pour ouvrir la voie des cieux et pour permettre au Père Noël de commencer sa tournée. Bonne chance et que l'esprit des fêtes soit avec vous. Cus, les membres de la brigade, écoutèrent tout cela avec attention, ne perdant pas une miette des conseils de la fée bleue. Puis, lorsque le message prit fin, tous se réunirent en cercle. Vous avez entendu, Dégus ? Il faut que nous chantions un chant de Noël pour ouvrir le chemin au traîneau du Père Noël. Et plus nous serons nombreux, plus la poussière d'étoiles scintillera. Alors, les enfants, vous l'avez compris, il faut que tous ensemble, aujourd'hui, nous chantions une chanson de Noël. Est-ce que vous connaissez des chansons de Noël? Par exemple, mais alors, il faut que tout le monde chante très fort. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière maison. Je n'ai pas été
du ciel avec des jouets par milliers. N'oublie pas mon petit soulier. Petit papa et bientôt, une grande lumière éclaira un instant le ciel, tel un éclair pour la calme des paisibles voilettes. Oui, le silence retourna. Les bonnes rouges avaient-ils réussi à réussir? Ils n'eurent pas le temps de secouer le promos qu'ils entendirent bientôt des clochettes, accompagnées d'un rire joyeux et tonitruant que tout le monde pouvait reconnaître très bien. Le Père Noël était en chemin. Joyeux Noël à tous, dis-moi.
moi, Papa Noël. Je me permets d'insister, mais il y a des enfants qui m'ont demandé, est-ce qu'il y aura des bonbons cette année? Ben, on n'entend pas les enfants. Mais les enfants, on n'aime pas les bonbons. Vous pas les bonbons. Attendez, attendez. Que tous ceux qui veulent des épinards crient très fort. Mais ça, ça va marcher. Que tous ceux qui aiment les bonbons crient très fort. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous les épinards qu'on avait prévus alors? On a quand même des bonbons. Alors attention, on va lancer des bonbons, les lutins, le Papa Noël, et puis aussi toute l'équipe de la municipalité sont là. Vous allez nous aider aussi, on va lancer des bonbons. Levez bien haut, bien haut, bien haut, bien haut les mains pour essayer de les attraper les bonbons. Hein. Attention, on y va. Les prêts? Les bonbons sont là. Ah oui, mais il faut que les lutins nous aident, hein, parce que c'est compliqué. Hein. Il y a de la musique, du cirque, du cinéma, de plein de choses. Chaque soir, des choses nouvelles à découvrir. Et tous les jours, jusqu'au 6 janvier, la tyrolienne, la luge, la patinoire, avec des soirées spéciales, on peut passer toutes les vacances sur le doigt d'hiver. Bonnes vacances à tous, bon Noël, et très belle fin d'année. Merci beaucoup, à bientôt les enfants.